Oui, donc on vient d'avoir une assemblée générale extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu des débats qui ont eu lieu, en particulier sur la deuxième partie de la séance ? Alors, assemblée générale en deux points, une discussion très intéressante sur les statuts, où on se rend compte que l'échange est nécessaire puisque ça permet de soulever des points qui n'avaient pas été vus avant. Un grand pas a été fait puisqu'ils ont été adoptés, ce qui permettra d'approfondir ce travail de manière plus simple. Sur la deuxième partie, a été présenté tous les objectifs et les ambitions du projet fédéral pour les années à venir, avec effectivement un travail qui reste à faire, mais important, qui va être de définir des priorités pour rendre faisable, avec les moyens dont la Fédé dispose, mais aussi la capacité des centres, de concrétiser ces ambitions. Oui, et surtout de se donner des objectifs atteignables et évaluables dans l'année, quoi. Oui, l'idée c'est vraiment de partir sur des choses concrètes qui, à mon avis, mobilisent et sont compréhensibles de tous et qui peuvent être dont la réalisation peut être mesurée au fur et à mesure. Sachant que l'Assemblée générale annuelle, par exemple, pourrait être le rendez-vous pour faire un point d'étape chaque année sur la mise en place de ce projet. Bien, merci.